Salut à toutes et à tous, c'est Koenski de retour sur Total War Warhammer 2. Alors j'ai pris ma décision, on va pas déclarer la guerre aux humains tout de suite. Pourquoi ? Parce que on a, comme prévu, les elfes noirs qui bougent. Malekith a ramené son armée, une grosse armée apparemment. Et en plus je remarque qu'au niveau de la course rituelle, en fait ils sont juste devant nous en termes maintenant de nombre de plaques. J'en produis pourtant 62 par tour, mais ils doivent produire encore plus. Et donc il faudrait peut-être que j'envoie une armée dans leur territoire pour lorsqu'ils relanceront le prochain rituel, éventuellement pouvoir l'arrêter. Ça pourrait être le rôle de Baskin. Pour l'heure, on va le faire rentrer dans l'étang miroir de Tepok en un seul tour pour la défendre, cette ville. Et on verra ce qu'on fera avec eux. Mais il n'y a pas à douter qu'ils vont nous déclarer la guerre bientôt. On a deux armées plus au sud, donc je pourrais en ramener une. Je pense que ça pourrait être le but de Constrict, qui n'est pas trop loin. Il ne faut pas une trop grosse armée pour les humains, je pense. Et on pourrait laisser Mazdamundi au sud éventuellement. Ça pourrait être un bon compromis. Je pense qu'on va faire ça. Mettre en ordre de marche vers la colonie humaine la plus proche. Ce sera Spectazuma, je pense. Pour la compléter, ça va être un peu compliqué. Par contre, il faudra venir jusqu'au pilier de constellation caché, éventuellement. On va voir. De toute façon, je dois aller par là. Skarl va poursuivre ses opérations de récupération de trésors enfouis ou engloutis. Plutôt, Talukai poursuit vers le sud, vers Uatek. Le siège au tour prochain. Et Mozuma reste ici. Et Krikid va essayer d'assassiner de nouveau. J'ai pas assez d'argent. Ce sera pour le prochain tour. Moody a terminé son mouvement, c'est pas mal. Ok, on va terminer le tour. C'est très tendu maintenant que les elfes noirs, je me rends compte qu'ils ont, ils sont passés devant au niveau des objets de rituel. Je vais pas dire plaques parce que pour eux c'est autre chose que des plaques, mais le résultat elle-même, c'est vraiment embêtant. Va falloir vraiment se débarrasser des elfes noirs. Je pourrais pas prendre toute leur ville, hein. Je veux dire, ce sera beaucoup trop long et on aura sans doute autre chose à faire quand on lancera le rituel que d'aller leur courir après, mais rien ne vous oblige à combattre vos ennemis. Mission envoyée, dompter les créatures sauvages. Signer un pacte de non-agression avec les colonies du Nouveau Monde. Tu te moques de moi pour 4 plaques anciennes? Je ne crois pas. Ah ah ah, Jadis s'est fait blesser en tentant de voler de la technologie. Bien fait pour lui. J'ai obtenu ingénieur pour Baskin. Et qu'est-ce qu'on a? On a une petite armée de rats. Mazdamundi pourra peut-être s'en occuper en passant. On va aller vers Spectazuma, toujours. Avec lui. Alors Baskin, s'il attaque maintenant cette armée d'elfes noirs, il va être tout seul. J'aimerais mieux attendre qu'il vienne mettre le siège. Beaucoup de sombres traits, ça c'est les archers. Les furies. Entrée à dagues jumelles. Ceci c'est la folie de Kane. 16 secondes, moins 10% de défense en mêlée, moins 24% en vitesse. D'accord, ça rend fou l'ennemi. Les exécuteurs de Arganet. Alors, anti-infanterie spécialisée, anti-armure. Et la garde noire de Nagaron, ça doit être de haut niveau. Maintenant, c'est pas du haut niveau en tant que tel. Il y a des unités de rang plus élevées, mais il y a quand même beaucoup de rang 1.
Du coup, je me demande bien si on pourrait pas envoyer Baskin. Si je me débarrasse d'eux, on sera vraiment tranquille. Je crois que je peux le faire. Alors, ok, il y a Malekith qui est un seigneur légendaire de niveau 24. Ça risque de piquer un peu. Et lui, je ne l'ai toujours pas adjoint d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas un seigneur avec lui? C'est un peu dommage. Il en faut un, bien sûr. Je vais en recruter un après. La bataille est imminente, monseigneur. Oula. L'ennemi rassemble une grande force. Voyez par vous-même. À vous de voir si vous voulez passer à l'attaque. Est-ce que je peux pas faire prendre part à la bataille? Ah, c'est une bataille navale, zut. Du coup, là, il me donne perdant. Mais moi, je vais la faire en manuel, évidemment. Très embêtant, ça. Du coup, maintenant, s'il m'attaque, je risque de perdre. On va toujours se réfugier ici, s'il faut. C'est clair que c'est pas l'idéal. Je vais déjà recruter un seigneur ici, peut-être. Chocomiel. Chocomel, il a quoi? Commandement plus 2. Je préfère à la limite celui-ci qui est robuste. Il a un coup de 0, tiens, je sais pas trop pourquoi. Et je prends un seigneur supplémentaire, ça va me faire 650 en plus d'entretien, plus les 270, c'est un peu limite, mais... Non, je vais pas le prendre maintenant, ça va trop entamer notre budget. Est-ce que je peux revenir sur le sol? Oh, c'est bon, je suis revenu sur le sol, s'il m'attaque, on aura la défense de la garnison, ouf. Ou dans l'eau, on va dire. Les mains en coupe des anciens. On va mettre ça à un de nos chefs. Peut-être même, pourquoi pas, Baskin. Il y a un truc déjà très bien, lui. Un prêtre Skink Katebak qui est dans une armée, celui-là. Moi je pense. C'est Temozuma qui devrait prendre le plus 2 en ordre public en fait. Il n'est pas dans une armée. Il n'est pas dans une armée, ça sert à rien de lui mettre ça. Constrict n'a pas d'objet enchanté. Il n'en a pas, voilà ce que je cherchais. On va lui mettre... potion d'impétuosité. Vous voyez qu'on peut changer les montures et les enlever. Bon. Du coup. Il avait terminé son mouvement. Kin c'est bon. Skarl c'est bon. On peut encore bouger. Où est-ce qu'on pourrait le faire aller? Du coup, il est tout seul, il se balade, j'ai de l'argent, c'est bien, on a eu 10 000, mais il me coûte de l'entretien et un supplément également au niveau de mon armée, attention. À cause du nombre d'armées. Ça va encore. Allez, on est arrivé à Watek, c'est bien. Des Skaven, évidemment, ils répandent leur pestilence un peu partout, on va les calmer. On va prendre le temps ou pas de faire des engins de siège. Alors attention, ils sont pleins de vermines de choc. Ça, c'est du costaud quand même. C'est anti-large. Donc au sol, on va peut-être avoir du mal contre eux.
avancera peut-être en premier lieu nos crocs, Igor, on verra bien. À ce moment-là, il n'y aura pas trop de problèmes. Des globadiers, des rats ogres. C'est sympa comme défense, on va... On va y aller tout de suite. J'ai pas envie de perdre de temps, il y a les elfes qui nous scrutent au nord. Ce que je ferai, hein, si le rituel est enclenché avant moi au niveau des elfes noirs, c'est qu'on enverra une force d'intervention la plus forte possible, peut-être même plusieurs. Et on fera suivre par notre armée de Baskin. Les forces d'intervention se feront dégommer, mais elles affaibliront peut-être un petit peu les défenses. Ça pourrait être un bon plan. Ok, je vais passer en plein milieu. Oula. Je crois que Talukai, en tant que son ancien Sorus, devrait pouvoir frapper les murailles, j'en suis pas sûr, je me souviens plus. Et je crois bien. Alors eux logiquement sont pas visibles donc ils se feront pas cibler, on peut les laisser sur le côté ici, par les tours je veux dire. Laisser la cavalerie derrière. Stegadon lui peut le péter la porte. Stegadon ancien le fera avancer tout en tirant et mes Crocs Igor qui n'ont pas les boucliers, on va donc les laisser derrière comme l'infanterie et on les fera avancer progressivement. Est-ce que j'ai placé tout le monde ? Il semble que oui. Alors la lance d'ambre, faut que je me rappelle un peu les sorts. Bonne perforation contre les armures. Canation de 800, vous alliez des dégâts des armes plus 25% plus 30 d'armure, un bon buff. La peau impénétrable de panne. Résistance physique, efficace contre les dégâts perforants, un buff. Le buff ici de défense et d'attaque. Transformation de Kadon génère une Manticore, ouais ça je voulais le tester. Ça, ça va être cool. Ça va être bien cool. Je lance la bataille. Je mets en pause pour pouvoir ne pas perdre de temps. Pour lancer l'attaque contre la porte, on va envoyer le Seigneur plus le Stegadon. Monte sur les murs, on court, on va être un peu fatigué, mais pas bien grave. Le guerrier Sorus va également monter. Cela bouge pas pour l'instant, la cavalerie non plus, le Stegadon on l'a envoyé, les Crocs Igor, on va déjà les placer, prêt à rentrer. Lui il va aller là et tirer sur tout ce qui bouge en même temps, c'est parti. Là on y va. Du coup je sais pas s'il va se mettre à tirer de lui-même, j'espère que oui. Ce serait cool. Ce que j'ai pas fait, hein. C'est bien beau de regarder mais il faut aussi jouer. On va avancer le prêtre Skink. Et on est bon. Qu'est-ce qu'ils ont laissé en bas? Moine de la peste, technomage, vermine de choc. Donc on a de l'anti-large, attention. C'était un peu prévu, donc je... Alors attention, oui, attention, les Crocs Igor c'est des larges ça.
Infanterie monstrueuse, donc faut que je laisse quand même. On va laisser des gardiens du temple en bas. On va en laisser en bas avec également des Saurus. Des Saurus à bouclier. C'est eux qui vont rentrer. Commencer. Alors est-ce que ils peuvent tirer eux sur les mecs qui sont en haut? Ça a l'air un peu compliqué honnêtement. Attention, les portes sont pétées, mais je veux pas rentrer avec mes larges pour commencer. Je vais les faire reculer. Et qu'est-ce qui partait par là? C'est toi. Voilà, c'est les vermines de choc avec hallebarde, donc gaffe quand même, hein. On n'est pas là pour se faire tuer nos troupes. Comme ça, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'ils auront le temps de reculer sans se faire prendre à partie. Je le ferai rentrer, mais après. Ça y est, nos unités montent sur les murailles. On se mettre à l'attaque, on va les aider avec nos sorts. Si possible. J'attends de voir qu'ils soient en combat. Ici. On va aider cette unité là. Oh, ça lance des sortilèges de l'autre côté. Si on monte seulement. Ah, ils ont fermé la porte, elle est pas pétée en fait, zut. Faut reprendre. Je pensais qu'elle était pétée mais il l'avait ouverte un instant. On peut attaquer quelques petites unités aussi en fait. Les murs. Ça pose pas de problème. Alors la lance d'ambre. Ou la transformation de Kadan. On va peut-être la lancer pour les attaquer sur les murailles avec la Manticore. Il n'y a pas de niveau. Ah voilà. Cool. Alors je vais prendre le temps de regarder un petit peu les stats. Anticorps sauvage, un peu d'armure, le commandement pas terrible, c'est une invocation en plus une bestiole, peut-être que ça joue. Bonne vitesse, bonne attaque et défense en mêlée et puissance forte, on va l'envoyer sur les murailles pour aider. On va fondre sur les globadiers. Très très bonne tête hein, la bestiole. Ah oui. Ça y est, cette fois-ci les murailles, attendez, elles sont ouvertes ou elles sont pétées, faudrait quand même savoir. Elles sont détruites, ok. Je pense que je vais quand même laisser Talukai y rentrer parce que j'aimerais bien qu'il participe au combat. On va les envoyer, tant pis, il y a de l'anti-large, mais je veux qu'on soit suffisamment attaqué. Ce qu'il y a, c'est qu'on va faire passer d'abord et ici des, voilà, les gardiens du temple. Et je vais les mettre ici devant. Mais on va suivre avec le reste. Ok, cool. Comment se débrouille la Manticore, j'imagine très bien. Oh, elle a un peu du mal apparemment. Je vais essayer de la buffer un peu. On va faire ceci aussi. Que je peux lancer le... Alors le sort, je peux le lancer aussi, il suffit de me déplacer des murailles, on pourra lancer les lances d'ambre depuis les hauteurs éventuellement. Bon, les Croxigor sur le seigneur ennemi, s'il vous plaît. Deux unités, ceux-là sur les vermines de choc. Alors, on va tester la lance d'ambre au niveau 2. Sur ces vermines de choc avec hallebarde. Elle arrive. Ok.
Attention ici, il y a beaucoup d'anti-larges, il faut que je fasse gaffe. On va pas les laisser tout seuls, on va faire rentrer le stégadon ancestral. On va faire rentrer dans la mêlée. C'est chaud quand même, hein, c'est très chaud. Notamment en haut des murs, on a pas si facile que ça. Ici j'ai un peu de mou, on a des gens qui se battent plus, donc on va les faire descendre. Attaquer ici en bas, ce sera très bien. Ou ici sur le côté pour aider, avec le troisième. La peau impénétrable, qui en a besoin? Ici peut-être. Plus de dégâts, on va buffer un peu le seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il recule. Alors, eux peuvent monter ici. On va faire entrer les cavaleries. Je vais mettre l'aura de mon sorcier sur les troupes pour les aider. Ici, c'est pas génial, mais on a cette unité-là qui est par contre très en forme. Devrait aller. Si tu pouvais participer au combat, ça serait quand même bien, quelque part. Les scaven filent, en fait. Ils fuient, donc je vais pas perdre mon temps. On va descendre, attaquer ceux-là dans le dos. C'est la grosse baston, hein. C'est la grosse baston. On a perdu une unité. Qui était la Manticore, peut-être. Quoique, on dirait que je suis pas plein, donc... On a peut-être bien perdu une unité ici. Mais on a mis l'ennemi en déroute. A priori, on n'a plus qu'à aller... On n'a plus qu'à aller récupérer... Je vais buter ceux-là avec les Croxigors et, les... et ceux-ci. On n'a plus qu'à aller récupérer le centre. Mais attention quand même, on a encore de l'ennemi ici qui est pénible. Je vais balancer une petite lance d'ambre. Non, j'ai plus de quoi, mais je peux survoler. Hop, au coin de la tronche. Ils vont fuir aussi ceux-là, on a quasiment gagné. Ceux-là sont en pleine forme, je vais essayer de les calmer aussi un peu. Ça aurait été une très très belle bataille. J'ai peut-être perdu une troupe du coup, je vois pas trop ce que j'ai perdu, mais très certainement on a perdu une unité. Peut-être qu'on va en perdre une autre, mais ça devrait aller. Ils sont en train de se regrouper là-bas. Ça f... Les catapultes de la paix, je m'en suis pas du tout occupé. Il manque un peu d'intervention volante dans ce groupe quand même. Ça, les chefs King sont vraiment pas mal en fait. Hein. Si j'avais su ça au début, j'en aurais pris plus au début, je pense. Ça sert à rien d'aller faire détruire mon gars ici. Hein. Toi, tu vas également dégager. Toutes les unités trop blessées vont sortir du champ de bataille temporairement. Et les autres, on pousse. Faire une charge ici. Toi, tu t'en vas, hein, j'ai bien demandé. Et on a des canons qui sont quasiment à portée, là. Canon à mal foudre. Faut les dégager, les dégommer. Voilà, notre ami Taluka, il va n'en faire qu'une petite bouchée. Corps à corps, elles vont pas tenir longtemps. On y va, on va occuper le centre. Là, mes unités, elles font très belle figure, il n'y a aucun problème. Oh, oh, oh. C'est excellent. Ils sont en train de fuir.
Nos troupes vont investir le centre-ville et c'est gagné. Ça n'aura pas été sans mal, on va devoir un peu panser nos blessures. Et avant la fin du combat, si j'ai le temps de faire un petit soin, c'est pas plus mal. On va aller voir quelle unité on a perdu exactement. Ouais, la victoire nous a coûté cher, mais bon. Alors on a ces gardiens du temple qui ont tué 112 ennemis et ils sont encore relativement en forme. Sinon les kills ont été bien répartis. J'aime bien quand je vois ça parce que ça veut dire que j'ai pu utiliser mes troupes efficacement. C'est-à-dire que personne ne s'est retrouvé à rien faire. Donc ça c'est plutôt pas mal comme stat, j'aime bien. Ça c'est nettement moins bien, on a perdu 401 troupes, mais bon, c'était pas si évident ici. Il y avait quand même de la qualité avec les vermines de choc et d'autres unités assez pénibles. Alors du coup, j'ai pas fait gaffe à l'unité que j'avais perdue. On avait 15 Ségadons, j'en suis sûr, ça j'en avais... Voilà, on va occuper. Oh, 10 000 si on pille. Les bâtiments seront endommagés, j'ai pas trop envie. On va occuper. Notre constitution des victimes, plus 5%, ça je l'ai vraiment partout maintenant. Plus ou moins. ...5% de puissance des armes, j'aurais quand même bien le prendre pour lui. Alors, si je veux compléter, on a ici Thor et Lazor qui détient le terrier oppressant. Au moins, il n'y a plus de corruption qui vient de là, je veux dire. Et là, on a un siège émis par Alistair Beaumont. Sur la lueur de l'aube, le clan Morse, il se délite complètement. Ça fait déjà un moment qu'on les voit plus bouger. On a un site de plaque ici. On pourrait peut-être y arriver quand même relativement vite, en quelques tours on y est. Effectivement j'ai perdu une troupe mais je saurais pas vous dire ce que c'est honnêtement. On avait 6 gardiens du temple, à moins que j'étais à 19 sur 20, je ne sais plus, il faudra que je regarde. On va prendre la magie télérique pour diminuer le risque d'échec. Alors à Watek, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau 3 déjà d'une ressource commerciale, c'est très bien. De l'ordre public? Non, le pylône géomantique au niveau 2, cool. De quoi recruter éventuellement ici, mais... Je ne veux pas faire une province de recrutement ici, je pense. Je vais le dégager. À la place, on va faire des murs ou alors de l'ordre public, j'en aurai besoin. On va faire de l'ordre public pour commencer et au niveau 5, je ferai des murs. J'ai pas envie d'avoir une rébellion sur les bras tout le temps, donc on va faire ça. Et il va falloir se reconstituer, je vais rester un peu ici tranquillement. Et en profiter pour recruter peut-être ? Je pourrais peut-être reprendre des crocs Igor. Je veux dire, pourquoi pas, à défaut de pouvoir prendre des grosses bestioles, parce que ça prendrait vraiment trop de temps en global. En deux tours, j'ai une unité de crocs Igor, je pense que c'est pas plus mal. On va faire ceci. Après, on peut essayer de foncer sur le site de plaque, mais je veux dire, le temps que je prenne la ville, que j'aille jusque là, que je la prenne, que je refasse le bâtiment s'il est détruit... On est à 4005, il en faut 5000, donc ouais, d'ici moins de 10 tours, on va
Bon, lancer le rituel, ils sont même en avance sur nous, donc je suis pas sûr qu'on puisse repasser devant de toute manière. C'est très problématique. Est-ce que je peux éventuellement essayer comme... Si je pouvais confédérer, évidemment, là je reprends des sites de plaques directement. Oh génial! J'écoute et j'obéis si l'ordre en vaut la peine, dit-il. Ils sont Renforce 9 en plus, hein. Oh oh oh. Yes, on va repasser devant au niveau des sites de plaques. Probablement. Bon, ils veulent pas le pack de non-agression, mais je pense pas qu'ils vont m'attaquer, honnêtement. Ils veulent même pas faire la paix, ils nous haïssent complètement, mais nous aussi on va les exterminer. Si c'est comme ça, on a confédéré avec les ultimes défenseurs. Quel épisode, là je suis vraiment content. Hein. Une belle bataille de siège. On a sécurisé du coup les rivières rouges. Grâce à la confédération. Le littoral des mangroves mouvantes, on l'a récupéré d'eux directement en entier. Et le royaume des bêtes aussi. Et les jungles occidentales, on a pu compléter grâce à une ville qu'ils avaient dans le coin. C'est bien et même plus que bien. Hein. On va aller voir Krogjar qu'on va normalement récupérer, à moins qu'il soit mort. Un combat, je pense que le voilà. Krogjar ou Kroggar, je sais pas trop comment on dit, je dirais Kroggar peut-être. C'est le dernier survivant de la cité en ruine de Xotl. Xotl est issu d'une couvée qui a toujours été vouée à de grandes choses. La puissance des armes, il est à la fois anti-large et anti-infanterie. Cette blague. Le bonus de charge est énorme aussi. C'est un monstre. 68 en attaque en mêlée. 75 en vitesse, il peut rattraper pas mal de monde. Non, est-ce que l'IA l'a monté correctement? Il a récupéré son arme. La main des dieux. C'est un sort qu'il obtient grâce à ça. Projectile magique. Il a Grimlock son... je veux dire Tyrannosaure, mais c'est Carnosaure. Bah, c'est pas mal tout ça, la bénédiction d'Itzal. Donc ouais, pas mal, pas mauvais choix, c'est bien. Ça pour les skins ça m'intéressait pas, mais c'est pas si grave, tout peut pas être parfait. Assez content des choix de l'IA, il est niveau 23 donc on a largement de quoi le monter en, pour en faire une machine de guerre vraiment. Alors je suis content, entretien à moins 55% pour les souris et sang froid, ça m'intéresse quand même moyennement. Moins 5% pour les gardiens du temple, moins 10% pour les carnosaures et autres bestiaux, moins 20% même. Waouh, on peut lui remettre des carnosaures là, les moins 10% et encore moins 20%. Cool. Très cool. Il a le home du dragon. Bon, c'est pas génial génial ça. Je changerai pour autre chose plus tard. Ça c'est très nul. On va lui mettre celle à 15%. 2900 d'entretien de son armée, mais on va voir où on en est au niveau du budget après. On va lui mettre agitateur d'éventail, bien sûr, taux de reconstitution 5%. Je pourrais lui mettre les attaques empoisonnées en plus sur lui. Mettre ceci. Au moment plus 4 pour une seule unité, c'est pas... Je vais l'enlever, je pense. Plus 5 contre le scaven, je pense que les scaven nous poseront plus de problèmes. On va enlever ça, on va mettre l'horticulteur carnivore. Ok, au niveau du budget, on est descendu à moins 630 à cause de son armée, principalement. Alors du coup, comme on a beaucoup d'armées, ça nous fait...
Plus 14%. On a 3400 de coûts supplémentaires par tour à cause du nombre d'armées. C'est vraiment trop. Peut-être qu'il y en a une qu'on a récupérée en plus. Alors, qu'est-ce qu'il a comme armée également, lui? Ouh là là, il faut le faire monter, là. Ça, c'est pas terrible, hein. On va devoir prendre un certain temps à lui donner des bonnes troupes. Voilà, il avait Quedjar ici. Bon, c'est un Slan, c'est un peu dommage de le virer, mais... il est niveau 12 en plus. Alors, on va virer plutôt probablement le Skarl. Je vais réfléchir, mais on va remanier un petit peu tout ça pour que l'entretien de diminue. On va regarder un petit peu les différentes... provinces qu'on a gagnées, du coup. Les rivières pourpres, on a complété. Déjà, je vais regarder si mon site de plaques, on produit des plaques. Hein. Sinon, ce serait dommage. La tour d'or, on est au niveau 1. 10 plaques, au niveau 2, on est aussi à 10 plaques, ça change rien. Mais on a quoi, des garnisons, ouais. Donc, c'est pas urgent de faire le niveau 2. Ça, on est d'accord. De toute façon, alors attention que j'ai moins 130 par tour, donc faut que je vois si je peux équilibrer avant de trop construire, mais ça devrait pas trop poser de problème. On va sans doute détruire des bâtiments. Ok, c'est super, je vais m'arrêter là parce que je suis tellement content et puis j'ai pas trop le temps de continuer, mais on a fait une belle confédération là. Très belle confédération. Le site de plaque supplémentaire. C'est plus 62 indiqué, mais on va monter au tour prochain grâce à ceci sans aucun problème. Il n'en avait qu'une ou il en avait plusieurs. Donc qu'une quand même, faut pas rêver. Il n'y a plus grand chose à aligner du côté des rats au sud en fait. Hein. Et maintenant qu'on a Krogjar, on peut également défendre le nord avec lui. Donc c'est cool. L'armée qui est ici va pouvoir continuer à prendre les villes. Éventuellement essayer de prendre celle-ci. Hein. On a Krogjar qui est pas loin aussi. Peut-être que lui, il pourrait la prendre. On va probablement essayer de faire ça, il est juste à côté. C'est pas la grande qualité, mais je pense que Krogjar lui-même, il peut quasiment prendre la ville. Bon, j'exagère, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est le plan. Faire ça, faire la gestion, et toujours gérer à l'ouest. On a beaucoup de choses à faire par tour maintenant, parce que, bah, beaucoup de territoires, on a plein d'ennemis. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt.